着悲所以一起过的 faça resplandecer seu rosto sobre ti te mostre sua graça e te dê paz. Bonjour chez vous, bienvenue sur notre chaîne Amsi Kalinga TV et je vous présente le pasteur Jérémy Ona. Si c'est pour la première fois, restez connectés avec nous et abonnez-vous. Que le Seigneur vous bénisse. Nous saluons tous de partout où vous nous suivez. Bienvenue sur cette chaîne Amsi Kalinga TV. C'est toujours un réel plaisir, un bonheur et surtout une joie de vous savoir. Lorsque vous êtes là pour écouter l'ainsi dit l'Éternel, nous allons dire un mot de prière au Seigneur avant de pouvoir commencer. Père, bénis ce moment. Nous te disons infiniment merci de nous avoir agréés dans ta présence, comme tu agréas Abel ainsi que son offrande. Nous prions que ce temps de la parole soit béni. Donne-nous les mots, les expressions, la parole qui va édifier ton peuple et qui va nous édifier tous, l'Église corps du Christ. Bénis ces instants et bénis tous les bien-aimés qui nous suivent partout dans le monde. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bienvenue dans le Seigneur. Nous avons introduit notre... pas introduit, mais déjà commencé avec un autre message. Par rapport à ce que nous avons commencé à dire depuis la semaine dernière. Nous sommes toujours dans le livre de Matthieu, chapitre 27, le verset 51. Et voici le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla. Les rochers se fendirent. Les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscité. Par la grâce du Seigneur, la fois dernière, nous avons eu à donner quelques éléments dont j'appellerai les signes de notre héritage parmi les choses que l'ennemi ne voudra pas m'entendre. Les signes de l'héritage, c'est entre autres lorsqu'il y a eu un déchirement du voile, c'était un signe pour notre héritage. Lorsqu'il y a eu tremblement de terre, la fois dernière nous avons parlé pourquoi il y a eu tremblement de terre lorsque notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ a eu à rendre l'âme. Nous avons expliqué pour le tremblement de terre qui s'est produit lors de la crucifixion. Et aujourd'hui, je voudrais prendre un deuxième élément qui est celui des rochers qui ont eu à s'effondrer. La Bible déclare que lorsque Christ est mort, les rochers se sont fendus. Non seulement il y avait le voile qui se déchira en deux, de haut jusqu'en bas, non seulement il y avait eu tremblement de terre, mais alors il y avait aussi les rochers qui ont eu à être fendus. J'aimerais que nous puissions comprendre ensemble pourquoi cet événement s'est passé à la croix. Lorsque vous lisez la Bible dans le livre d'Exode, chapitre 17, dans son sixième verset, vous allez voir l'Éternel Dieu qui dit à Moïse que ce peuple est en train de contester avec moi. Je voudrais que tu prennes ton bâton, toi et ton frère Aaron. Je me tiendrai sur le rocher. Tu frapperas les rochers. Les rochers donnera de l'eau. Moïse, en faisant ainsi, les enfants d'Israël ont bu de l'eau. Ils ont eu à se réjouir parce que Moïse a produit cela. Autrefois, dans l'Ancien Testament, je vous ai dit la fois dernière que le Nouveau Testament est caché dans l'Ancien Testament. Et l'Ancien Testament est révélé dans le Nouveau Testament. Le rocher que Moïse frappa autrefois
dans le désert pour donner de l'eau à boire aux enfants d'Israël n'était autre que Christ lui-même. C'est comme cela que lorsque le véritable rocher est arrivé, le rocher était à la croix. Et lorsque le rocher était en train de rendre l'âme, on nous dit que les rochers ont eu à s'effondrer. L'apôtre Paul est en train d'enrichir cette idée dans le livre de la première épître aux Corinthiens. Lorsque, dans son chapitre 10, le verset 4, il dit qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Et ces rochers étaient Christ. Et nous comprenons avec cette lumière que les rochers qui avaient servi à donner à boire aux enfants d'Israël, c'était Christ lui-même, sa présence dans le désert. Et ici, Christ, qui a eu à les aider avec de l'eau à boire à travers ces rochers, ici, Christ lui-même est à la croix. Et lorsqu'il rend l'âme, on dit que les rochers se sont fendus. Autrefois, pour avoir de l'eau à boire, autrefois, pour étancher sa soif, il fallait frapper au rocher. Et lorsque le véritable rocher arrive, point n'était besoin de frapper les rochers. Il a fallu seulement qu'on puisse parler au rocher. C'est comme cela que dans la deuxième opération, Dieu n'a pas dit à Moïse de frapper. Cette fois-là, Dieu lui dit de parler. C'était une préfiguration du véritable rocher qui devait arriver. Qu'il n'y aura plus encore besoin de frapper les rochers. Mais Moïse étant radical, il n'avait pas compris que Dieu était en train de lui donner le message que dorénavant, il ne va pas s'agir de pouvoir frapper, mais il va falloir seulement parler. C'est comme ça que lorsque l'homme est arrivé, il a rendu l'âme à la croix. L'homme déclare que les rochers se sont fendus. C'était une opération spirituelle, tout simplement pour nous montrer que tout ce qui était difficile autrefois, tout ce qui demandait le bâton pour être frappé, maintenant là, c'est facile en Jésus-Christ. Tout enfant de Dieu partout où vous nous captez, de partout au monde, sachez que Christ, le véritable rocher, a été déchiré lors de sa mort à la croix. Et que vous n'avez aucune barrière, vous n'avez aucun exercice difficile à pouvoir appliquer pour pouvoir lui parler. La mort de Christ à la croix, c'est un rocher, un boulevard du salut qui s'est ouvert pour que tout enfant de Dieu puisse avoir la capacité de pouvoir parler au Seigneur Jésus-Christ. Écoutez, Paul dit, le rocher qui les a aidés à abreuver leur soif, c'était le Christ de Nazareth. Comme pour dire aujourd'hui que toi et moi, à travers la mort de Jésus-Christ, nous avons vu un rocher être déchiré pour que toi et moi, nous puissions nous abreuver de notre soif. Point n'est besoin d'être bloqué. Point n'est besoin d'être barricadé. Point n'est besoin d'être empêché pour ne pas parler à ces rochers qui nous donnent de l'eau de la vie et qui est sa parole, bien sûr. Lorsque vous parcourez les Écritures, vous allez trouver, surtout dans les psaumes ou en Ésaïe aussi, en Jérémie aussi, où la Bible est en train de nous montrer que non, il est le rocher de notre secours. C'est lorsque nous ne savons pas où trouver le refuge, nous allons auprès du rocher qui est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je voudrais que dans le prochain numéro, nous puissions vous expliquer comment est-ce que le rocher est notre refuge. Vous allez voir avec moi comment la Bible est en train de nous dire dans les Proverbes chapitre 30 que les damas ont leur demeure dans le rocher.
Nous, les enfants de Dieu, pourquoi les rochers ont eu à s'effondrer? C'est tout simplement pour nous donner une demeure, un refuge. Nous sommes dans le rocher qui est Christ. Nous sommes intouchables lorsque nous sommes dans le rocher qui est Christ. Aucune maladie, aucune flèche envenimée de monde des ténèbres, aucune opération satanique ne peut alors nous atteindre. Pourquoi? Parce que nous sommes cachés en Christ. Ça, ce sont des choses que le diable ne voudra jamais entendre. Tout enfant de Dieu, de partout au monde où vous nous captez, sachez que les rochers se sont fendus pour que nous puissions trouver notre refuge. En Christ, nous sommes protégés. En Christ, nous sommes sécurisés. En Christ, nous sommes bien protégés. Aucune guerre spirituelle ne peut avoir des effets négatifs sur notre santé, sur notre corps. Pourquoi? Parce que lors de sa mort à la croix, les rochers ont eu à s'effondrer pour que nous puissions être protégés et sécurisés. Que Dieu vous bénisse abondamment de partout où vous me captez. Restez connectés et abonnez-vous abondamment sur cette chaîne MC Kalenga pour avoir de plus en plus de nouveaux numéros concernant les choses que l'ennemi ne voudra jamais entendre. Ici, je voudrais dire merci à Madame MC Kalenga. J'ai dit merci au docteur Jeannou et au pasteur Malakai, ici à Cape Town. J'ai dit merci au pasteur Freddy, à partir de Lubumbashi. Restons connectés pour de plus amples messages concernant les choses que l'ennemi ne voudra jamais entendre. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.